Et on est de retour. Désolé, ok. On a plein de trucs à faire. On va enlever ça. Okay. Qu'est-ce qu'on a on a des nouvelles choses. Centre de communication. Ah oui, c'est vrai qu'on est centre de communication. Centre de communication, faudrait les mettre à un autre endroit. Je me demande si on devrait pas les mettre là, en fait. Parce que là, on est une grande zone. Là, je les ai séparés, en fait. Ici. Je les ai séparés. Non, c'est pas du tout ici, c'est à la base. Genre... Ouais. Parce que ça, c'est con, en fait, de séparer des buildings comme ça qui sont... plus ou moins uniques, où il y en a très peu, en fait, à chaque fois. C'est un peu con de les séparer, je vais être honnête. Et là, on va dire que notre base, elle est bien faite. Donc, on va directement mettre... Donc on peut directement mettre des niveaux 3. Putain, ça tue quand même ce système maintenant. Voilà, très bien. Et là il me faut du ferronium. 4200, ça va. Ouais, parce que imaginez en fait, il fallait genre attendre que ça, ça finisse. Donc genre 2 minutes, un truc comme ça. Et après... est-ce que je suis en train de le récupérer ça? On va aller voir. Et après, il fallait repasser par-dessus avec... ouais, je suis en train. Avec, du coup, l'augmentation de niveau. Et après, il fallait repasser encore par-dessus avec l'augmentation de niveau. Voilà, jusqu'au niveau 3, 4 peut-être. Je sais pas si ça va jusqu'au niveau, je me rappelle plus. Mais vous voyez un peu le système relou. Donc à chaque fois, c'était 2 minutes là, 2 minutes là, 2 minutes là. C'était... C'était un peu casse-cou... Oh ! Oh non, pas le... Oh le... Ah, putain, le tremblement de terre, c'est de la merde. Le tremblement de terre, c'est de la merde. The Earthquake's epicenter is near our position. Ouais. It will deal serious damage. Vous voyez la map ? C'est en train de tout défoncer, c'est bien. C'est en train de tout défoncer. Ah mais attendez, le robot il répare en fait... Enfin, je crois qu'il répare moi, mais il répare aussi les structures en fait qui sont autour de moi. Ouh, c'est vachement intéressant en fait ce robot. C'est vachement intéressant, c'est nouveau ça, je suis quasiment certain que c'est nouveau. Voilà. Voilà, niveau 3... merde. Oui, 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 là il y a 3, ok, c'est bien niveau 3 que j'ai posé. Ok, très bien. Donc on va aller voir un peu le carnage. Ouais, et ça nous fait des dégâts hein, si on va dessus, donc c'est pas vraiment très conseillé. Ouais, non, c'est vachement bien ce système, je suis sûr que c'est nouveau ça. Drone de réparation, 50 PV par seconde. Je suis sûr, je me demande si ça nous répare nous du coup. Enfin, normalement je dirais que oui. Mais ouais. Ok, très bien. Du coup, attendez, on va faire ça. Voilà, ça va plus vite. Ouais, ça fait pas... Ça va pas détruire. Mais ça fait chier. Ouais, par contre, on a un peu... Il fait des très gros murs hein, ici. Hein. Il fait très très gros murs. Hein. Ouais, ça va. Ouais, très très bien. Bien nickel, nickel. Ça on peut pas encore. Donc là on a les trucs qui doivent être prêts. Voilà, niveau, donc voilà, l'augmentation va aller un peu plus vite. Très bien. On a ça aussi maintenant. Donc il faut du cobalt, ça on verra ça après. Faites voir un peu les augmentations, on en est à quoi ? Production de ressources basiques niveau 2. Bâtiment de défense, ok. Bah, ressources niveau 2, ça c'est bien. Mais honnêtement, ressources niveau 2, on n'a pas encore besoin vraiment. Mais on va pouvoir monter de niveau. Bah tiens, on va attendre genre quelques secondes ici, le temps que ça finisse. Tant que ça finisse. Ok, niveau 2, très bien. Donc maintenant, j'ai tendance à vouloir ouvrir la map quand je veux crafter et crafter quand je veux ouvrir la map.
Ok, maintenant on peut faire ça. Hop là. Ah ouais, là c'est cool. Oh là là, qu'est-ce que c'est cool. Hop là. Nickel. Ça aussi, ça aussi. Alors, on fait voir un peu. Hop. Ah mais merde, il n'y en a plus. Alors maintenant, on peut faire directement. Donc, voilà, on peut placer déjà les niveaux 2. Très bien. Alors, toi. Hop. Alors, où est-ce qu'on a. Là, ça serait pas mal. Non, arrête de faire ça. Voilà, très bien. Okay, très bien. Là. Nickel. Qu'est-ce qu'on a aussi ici? Non, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que... On a ça. Voilà, on peut peut-être aussi réparer. Voilà. Ici. On va faire ce qui est à l'extérieur aussi. Voilà, très bien. Et après, on va aller se balader autre part. Ah oui, le courant aussi. Il a pris un coup. Ouais. Oui, parce que ça pompe plus, mais ça... Enfin, ça pompe plus de minerais, mais ça pompe plus aussi de courant. Et oui, et oui, et oui. Voilà, très bien. Mais c'est pas grave parce que là on est pendant la nuit en fait. Voilà, 38-38, c'est très bien. Allez, on va se balader un peu. Bon, on est en pleine nuit par contre. Un truc que vous pouvez faire, alors déjà, hop, ça c'est bien. C'est mettre des téléporteurs un peu partout. Le temps que vous avanciez en fait, comme ça. Okay, très bien. Je crois qu'il y a quelque chose qui attaque le téléporteur, évidemment. Enfin, que deux trucs de merde soient paumés et me défoncent le téléporteur. C'est pas grave. Attends, il y a un truc là, c'est quoi ça? Oui! Ah, c'est vraiment cool le bombardement. Le seul jeu... Merde. Ok, attends. On va continuer d'abord à faire ça. On a quoi encore? 2 minutes? On a notre base qui est protégée, donc ça va. Voilà, très bien. Oh, 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 de l'or. La tronçonneuse. Ok. Ok, donc là, je suis en train de voir, là on a 2 coins. On a 1 coin là, ça va être nickel. Mais on a ici et ici en fait. C'est pas pourri, mais c'est pas terrible non plus. On n'a pas de porte, oui.
Je crois que les... Bâtiment défensif niveau 2. Ok, pause une seconde. Je crois qu'il y a les générateurs de ferromium qui vont prendre cher. Ils vont sûrement exploser. C'est pas grave. C'est pas très grave. Alors on a une tronçonneuse. Ça c'est un gros DPS. Ça par contre c'est nouveau, hein, je connais pas. Donc on va en prendre en... Comment weapon scale, ça aussi c'est nouveau et c'est bugué, c'est bien. Gain de vie par coup. On en prend deux parce que je veux... Normalement quand on met deux fois la même attaque, comme j'ai dit, deux fois la même arme de corps à corps, ça fait une attaque spéciale. Brum brum. Et après on a eu d'autres choses. Alors attendez, c'est quoi ça? Ok, les murs niveau 2. Putain, ça va coûter cher ce qu'on va faire. Mais je crois qu'on va le faire. Ah, comment c'est bien dire qu'avant il fallait faire rangée par rangée. Oh, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est bien. Dire qu'avant c'était la merde, vous imaginez même pas quoi. C'était faisable hein, mais c'était chiant. Regardez là, là on met tout au niveau 2 directement. C'est magnifique. C'est magnifique, oh c'est magnifique. Oh là là, qu'est-ce que c'est plaisant de jouer là. Voilà, tout est au niveau 2. Il me reste plus que 2000. Plus que 2000, on va augmenter ça. Voilà, il me reste 1000. Ok. On va arrêter d'en balancer. Là on est sur ça, c'est comme j'avais prédit, ça va, c'est pas grave. Ce n'est point grave. N'est pas grave, on fera... Faut voir un peu. Ouais, il y a une crevasse en fait, donc ils vont pas passer par la droite, ils passent tous par la gauche. Donc de ce côté-là en fait. Je crois. Ouais, genre là. Ouais. Ok, alors. Alors, par contre, il y a un truc con, c'est ça. Alors là, j'avoue que c'est la merde. Parce qu'on n'a pas de tourelle. Enfin, pas beaucoup. Mais bon, on a des murs niveau 2, on a 4 rangées de murs, donc ça va. Oh 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 oh, faut faire gaffe qu'il y a des trucs qui explosent. Ok. Doucement. Là. Là, là on est mal mis, hein. On est mal mis. C'est pas grave. Voilà, tout le monde meurt petit à petit. Prendre lance-grenade. Faut faire attention aux tireurs là de loin. Ok, il n'y a plus rien de près. C'est bon. Voilà. Ouf. Ok, c'est vraiment un endroit de merde ici. Hein. J'avoue que c'est vraiment un endroit de merde. Faudrait bloquer ça. Attendez, si on fait ça. Hop là. Ouais, c'est vraiment un endroit vraiment pourri. Parce que du coup, si ça arrive là, ça va là. Si ça arrive ici, ça va ici. Donc, on pourrait faire un mur en fait. J'ai envie de dire. On pourrait faire un mur entre la crevasse et le rocher. C'est ce que je vais faire.
c'est ce que je vais faire. On va faire comme ça. Merde, j'ai lâché. Là, ça, faut, vous voyez que on peut un peu travailler stratégiquement avec les. Merde, j'ai mis 5 murs. Pas grave. J'ai mis 5 murs. On peut travailler stratégiquement par rapport au terrain. Genre là, on va bien pouvoir bloquer. Et après, il faudra bloquer ici. Donc, ouais, il y a plusieurs trucs comme ça qu'on peut faire. Y'a un truc qui attaque? J'ai entendu un bordel. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on fait d'ici? Je sais pas. Faudrait du coup bloquer. bloquer cet endroit ici aussi. Pourquoi on n'a pas de courant pour certaines choses. Très bien. C'est pour... Okay. Là, nickel, faut du sol aussi. Vous voyez ce qu'on peut, comme j'ai dit à chaque fois, je répète, hein, toujours la même chose, mais on peut prendre notre temps, faire un truc super beau, mais après, voilà quoi, on peut passer aussi 5 ans à faire. Hein. Ouais, on va faire ça, et après on va aller au jugement de Cobalt. Oh là là, même pour vendre, qu'est-ce que c'est bien. Vous imaginez même pas quoi. Ouais, très bien. Même pour vendre, c'est juste magnifique. Voilà, alors on avait mis des. Pour les. Ouais, voilà, c'est là que je voulais aller. Donc on fait ça. Ah, il faut du cobalt, ok, ça marche. Ouais, donc on va devoir aller se balader pour le cobalt. C'est parti. Ah, fais voir la tronçonneuse, alors fais voir un coup. Ok, fais voir avec les deux. Yeah, ok. Ok, fais voir un peu les dégâts. On trouve quelques trucs. Ça, c'est des trucs inoffensifs. Oh. Wow, c'est vraiment pas mal. Ça, c'était des trucs invisibles. Ouh, j'aime bien la tronçonneuse. J'aime beaucoup la tronçonneuse. Je crois qu'il y a des... Ouais.
Yeah, ça bougeait. Ok, ça bougeait. C'est jamais, hein. Ok, ça c'est quoi ça? C'est du carbonium, ok. Oh tiens, trouvé. Cobalt. Nickel. Now that you've got practice with using the geoscanner, you can use it to search for hidden resource deposits, geothermal vents, or any other underground anomalies. It looks like it's going to be very useful. We could at least scan the area around our base with it. Oh mon dieu, ça les stun et tout, j'ai l'impression. It is also capable of finding hidden underground alien life forms. Okay, très bien. Then we should definitely check the area around our base with it. Nickel. Et on va mettre. We now have enough cobalt to construct the orbital scanner. Also, be mindful of this building's energy consumption. We should probably build some additional power plants. Ah, là on est contre la map en fait. Ouais, là on est contre le, la fin de la map, donc du coup on peut pas crafter des trucs, donc on va juste remplir. Ok, très bien. Est-ce qu'on a besoin... Qu'est-ce que vous faites? Passez-vous. Salope. Ok. On peut faire... On peut faire une toute petite base, hein, qui est juste là à récupérer du cobalt en fait. The wind is picking up speed. Par contre, c'est pour le courant. The wind is much stronger than usual. Très bien. Porte. Je crois que ça va pas suffire. Là on est sur du local. Quoi ce bruit? Ah oui, c'est les trucs qui tirent parce qu'ils détectent des bestioles. Hop, et on veut mettre ça aussi. Nickel. Crevasse partout, mec. Ok, on est bon. Alors, fou, petite pause, faut que je boive, que je vois ce qu'on a à faire. Ok, donc on peut faire les entrepôts, les machins et tout ça. Donc déjà, il nous faut des armes. Il faut des meilleures armes. Donc petite mitraillette, il faut le minigun. Donc il faut faire la petite mitraillette. Après, on peut... Pour passer au plasma lourd, il faut d'abord le petit plasma, le lance-flamme, on prend le lance-flamme niveau 2, c'est bien. Explosion d'urgence, c'est pas vraiment intéressant, sauf sur du champ. Laser orbital.
Permet de pioter et corner frappe orbitale, barrage d'obus d'artillerie sur n'importe quelle cible. C'est nouveau, ouais. Petite mine. Ah, la réparation. La réparation. Maintenant, la réparation. Peut-être un peu l'augmenter. Voilà. Sinon, on a quoi? On a armurerie niveau 2. Ok, elle est où notre première armurerie? J'imagine que je l'avais mise là. Ok, donc on va faire armurerie niveau 2 encore. Ça fait quoi déjà l'armurerie? Ah oui, production de... Ouais, tout ce qui est munitions en fait sur nous. Donc voilà, très bien. Voilà, non, on a 800. Normalement avec une deuxième armurerie, on va passer à plus. Donc ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut crafter de nouveau? Rien. Ok, il faut juste qu'on attende. Là maintenant on peut faire le scanner de planète. Non, le scanner de planète. Je pense qu'on va le mettre dans le camp principal, c'est un peu le bordel mais. Orbital scanner construction is in progress. But before we start jumping off to different parts of the planet, we should build the necessary local research facilities. The communications hub can only help us with downloading already developed technologies back from Earth. Still, one of the main reasons why we came here is to conduct research and to learn about the environment that we encounter here. We can research new technologies based on samples of alien life forms or any new substances that we encounter if we construct the alien research laboratory. Pas le quartier général. Par contre, ça oui. Ça oui. Regardez maintenant. Vous voyez qu'on a 15 000 de réserve, ok? Is a complex structure and requires multiple schematics in order to be built. Download the necessary technologies. On a zéro. Ok, on va y aller un peu plus doucement peut-être. Donc on a 308 IA. Ouf, 308 IA. On a place pour 20K de ressources, c'est bien. Il faut plus de cobalt. Faut grave plus de cobalt. Alors, le truc c'est que maintenant, enregistrement, on va pouvoir télécharger la technologie extraterrestre. Ok, ça marche. Technologie extraterrestre. C'est là où il faut. Ah non, faut d'abord que ça finisse le bâtiment et tout ça. Alors, on pourrait après maintenant, comme j'ai dit, partir. Ou alors, on continue d'explorer ici et on augmente un peu de niveau. Alors, je vais être honnête, le mieux reste quand même de. Surtout qu'on est en difficulté très élevée. C'est de rester ici pendant un petit moment. Et d'attendre d'avoir genre minigun et tout ça. Enfin, à la limite, ce que j'ai un peu plus peur, c'est de me faire one shot, je vais être honnête. Donc, moi, je serais plus à avoir des protections, en fait. Ça arrive ou pas? Ça arrive derrière, ça va. On a le temps. Donne-moi ça. Structure extraterrestre, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc à crafter ou c'est quelque chose à... Ah, c'est peut-être du décor en fait. Ouais. Plante. Statue. Ouais, ça. Structure synthétique. Attends, on va d'abord peut-être tuer les bestioles là. Ouais, ça peut pas, non, ils sont morts. C'est quoi ça? Structure synthétique observée par la première fois dans notre biome de vallée métallique. Elle convient à une utilisation de décoration pour donner à votre base une allure futuriste. Prérequis, quartier général. D'accord, mais ça se met où? Ah, c'est genre pour changer le look de la base? Non, attends. Bah, sur quoi je les mets?
Pourtant c'est 250 et 50 c'est pas... C'est bizarre. Sur quoi tu veux que je le mette? Ouais, je sais pas trop. Faut beaucoup de place peut-être. Vous faites chier. Vous me faites chier. Ok, là par contre on est contre un mur, ça me casse les burnes. Ça c'est du cobalt, moi je faut qu'on le garde le cobalt. Donc là on a trois lignes. Ouais, il faut qu'on explore la map honnêtement. Faut vraiment qu'on explore la map et qu'on et qu'on augmente. Faut qu'on augmente la map et qu'on... Faut qu'on explore la map et faut qu'on augmente. Parce que j'ai pas envie d'y aller à l'arrache non plus. Donc on va prendre notre temps, mais au moins on sera très puissant. Tiens, est-ce qu'il me répare le robot? 130... Ouais, il me répare. Ok, donc ouais, il peut réparer... on est à 20 secondes, juste explorer un peu plus. Allez, on va se mettre là. Orbital scanner construction finished. Planetary geomapping procedure in progress. Searching for traces of uranium, palladium, and titanium. This process may take some time. Voilà. Let's go. Danger! A hostile swarm is moving in on our base. They are almost upon us. Et ce qu'on peut faire aussi maintenant, c'est augmenter toutes les turbines. Ah, très bien. Ah, ceux-là de droite, là, ils vont sur nous aussi, c'est très bien. Je sais même pas si je touche honnêtement. On va faire un petit orbital. Ah, ils vont tous sur nous. Oh, il y en a derrière. Ouais. Ok, on a encore des munitions, ça va. Ouais, ils font le tour, c'est con. On va un peu voir de l'autre côté comment ça se passe. Ah, c'est pas de la merde. Il y a des trucs qui tirent aussi, fais gaffe. Là on est prêt en sandwich, hein, donc si jamais c'est la merde on se téléporte. Hein. Okay, très bien, je crois qu'on est bon. On va sortir. Pour finir ce qu'il reste. On est en local, en électricité ou pas? Non, on est bon. Nickel. Ça va plus vite comme ça. Nickel, nickel. On peut même m'en mettre là, ça les retiendra.
Très bien. Ouais, là on est en local. Je crois que c'est parce que ça a coupé derrière en fait. Ouais. Ok, c'est bon. Donc maintenant on a des turbines niveau 2, tous les trucs solaires aussi niveau 2. Voilà, ça c'est magnifique. Ça aussi, bon ça il faut du titane, on n'a pas encore. Genre maintenant je peux faire ça par exemple. Ça par exemple. Donc ouais. Maintenant on peut faire une base un peu mieux. Parce qu'on n'a plus besoin de bouffer autant de place. Donc ça c'est bien. Voilà, donc on peut commencer à s'étendre en fait. Voilà, on peut vraiment commencer à s'étendre. Et après, comme j'ai dit, on peut mettre des... Enfin, pour l'instant, on n'en a pas, donc on... Mais, là, mais voilà, là, on pourrait mettre des choses comme création... Enfin, on peut le faire. Mais bon, je suis pas très serein pour le moment, parce que si jamais on tombe sur des monstres et on se fait combattre... Vous voyez... Attendez, je vais finir ma pensée, c'est ça, en fait. Merde, c'est où créer. Voilà. C'est... avoir ça, genre vitesse de construction ou coût de construction moins de 4%. C'est pas mal. Si vous en prenez 4, vous en mettez 4, ça peut être pas mal. Mais bon, je crois qu'on n'a pas de vie, rien avec ça. Donc pour le moment, j'ai pas vraiment... Pas envie de me balader nu. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est, j'ai vraiment pas envie de me balader nu. Alors, ce qu'on pourrait faire... Alors, on pourrait... ça, c'est fini. Je crois. Arme de petit calibre niveau avancé, je vais voir un peu. Alors maintenant on a la petite mitrailleuse, mitraillette. On va voir si on en fait deux. Si on a les mêmes stats ou pas. Non, on n'a pas les mêmes stats. Ah voilà, là on commence à avoir des trucs. Donc là on a taux de tir 13%, 13 pardon, donc ça tire plus vite. Là c'est plus 10, dégâts physiques, là il y en a un peu plus, coût des munitions. Là il y a un peu plus de coûts critiques par contre. On va prendre celle-là qui tire plus. Très bien. Voilà, on est déjà passé en bleu. Ah mais c'est pas la même, il y a moins de munitions dedans. Pourquoi il y a moins de munitions? Pourtant c'est la même petite mitrailleuse. Parce que l'autre elle avait 800 je crois. Je sais pas d'où ça vient. Après maintenant on peut mettre un mode aussi. Change de critique. Alors on va mettre des trucs un peu bêtes. Propagation, modifie l'angle de dispersion des projectiles tirés par l'arme. Augmente les nombres de projectiles tirés consécutifs avec un seul coup de feu. Taux de tir, ouais non, ça... Fait des dégâts infligés par l'arme, là on aurait dégâts cryogéniques 2%, donc on pourrait mettre le feu et la glace en même temps. Ouais. Rayon de dégâts activés, propagation, c'est quoi dans la propagation qui augmente? On a propagation, non, taux de tir... Projectile par rafale, rafale plus 0,2. Je dirais pourquoi pas de la glace en fait.
Et je sais pas si on peut les retirer, les mods. Par contre. Retire. Yes, on peut. Ah, on les perd ou pas? Non, non, on les perd pas. Ah bah c'est let's go, let's go. On va mettre de la glace dessus. Ah, ça va faire de la glace. Là, il y a un groupe de monstres que je voudrais tester. Alors la glace ralentit. Vous voyez que les ils ont un peu de la poudre en fait. Ou... Parce qu'ils ont. Ils sont gelés et ça les ralentit. Donc là on les ralentit avec la mitraille. C'est vraiment bien, vraiment pratique ce truc. Putain, t'es bien protégé toi. Mais t'es sans déconner. Oh la vache, c'est de l'autre côté. Okay, on va faire attention quand même. Bon, je suis un peu bloqué là pour avancer. Il y a ces putains de trucs de projectiles de merde. Voilà, très bien. I wonder what made it so aggressive. Maybe we can learn something important after researching it in a lab. Nickel. Ça va être quoi? Okay. Nickel. Nickel. Ok, il nous reste quoi? 43 minutes. Ça va faire 43 minutes que j'enregistre. Du coup, on va jouer. Comme d'habitude, on essaye de faire des épisodes à peu près à d'une heure. Est-ce que j'ai besoin de... Est-ce que mon soin s'améliore tout seul? Je crois que oui. Hein. Préparation 50%. Oui, oui, oui. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a arme et énergie, arme liquide. Je voudrais le minigun. Voilà, directement après, parce que ça c'est le plus important. Là on est en train de le faire, après on aura ça. Comme j'ai dit, le lance-flamme, oui à la limite, oui, pourquoi pas, mais ce sera vraiment secondaire. Là on a quoi? Les centrales à gaz et tout ça, pour le moment c'est pas très très utile. Laboratoire bioscanner, ouais, il nous faut ça. Alors on peut commencer à augmenter tout ça aussi. Centrale de carbonium, non, on n'a pas besoin, enfin pas pour le moment. Radar, si, la tour foudroyante c'est quoi? Cette recherche permet de, au Riftbreaker de construire des tours foudroyantes. Ces tours captent tous les électrons libres et les entourent et concentrent en arc électronique ciblé qui envoie de puissantes décharges électriques à l'ennemi. Ok. Le tour à plasma, ça je connais aussi je crois, c'est pas nouveau. Tour lance-flamme niveau 2, tour de soin niveau 2 par contre, ça peut être bien. Ah, traitement de munitions. Ouais, traitement de munitions, ça c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Améliore. Ouais, ouais, ouais. Il nous faut ça. Pour avoir plus de munitions en fait. Pour pouvoir constamment tirer, quoi, en gros. On a la petite mine qui peut être augmentée. On a le laser. La tourelle bioscan. Ah, il faut la recherche extraterrestre. Cette station de scan miniature utilise de nombreux capteurs très conçus pour. Très pointu, pardon, pour scanner tous les objets intéressants à la zone d'opération. Tous les résultats de recherche sont envoyés directement au laboratoire et montrent la base de données du Rift Breaker. Je sais plus si je connais ça. Non, pas plus. Mine nucléaire. De toute façon, on va faire la mine parce que. Après, on met des trucs pour mettre des trucs. Hein. Alors, on va où? On va où? On va peut-être se balader. On va déjà essayer d'explorer la map. Déjà explorer la map, c'est pas mal.
Ça fait une différence hein, de mettre du gel. Hein. Regardez comme ça stoppe les ennemis. C'est pas de la merde. Faire attention parce que je crois qu'il explose quand il tombe. C'est pas de la merde hein, la glace. Hein. C'est vraiment bien. Surtout quand vous avez des trucs qui tirent vite. Ok, nickel. Et les monstres réapparaissent pas, c'est ça qui est bien aussi, je trouve. Ça, je trouve ça aussi très très bien que les monstres réapparaissent pas. Il n'y a que les vagues en fait. Une fois que vous avez clean la map, en gros, bah, c'est que les vagues. Donc ça, je trouve ça vraiment très 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 cool. Vous avez... vous êtes récompensé en fait de faire le tour de la map. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, la tronçonneuse, je les ai mis, mais c'est vraiment juste pour la mettre. Hein. Là, il y a un rocher, par contre. Très bien. Mine gravitationnelle. On a déjà la mine gravitationnelle. Donc, est-ce que c'est une nouvelle, un nouveau niveau, peut-être ? Vous voyez que les armes de corps à corps, on les utilise pas vraiment. Par contre, on a un problème de courant, donc il va falloir faire des trucs avec plus de courant. Ah, on a le pistolet à plasma, ça y est. On a le pistolet à plasma. On peut le mettre à la place du feu, j'ai envie de dire. Parce que du coup, ça aurait plus de portée. Comme ça, on montre. Comme ça on montre un peu. Alors, mine gravitationnelle. Mais ça c'est la normale, nous on a déjà une violette en fait. Ah non, on a eu de la chance, on a eu la violette en fait. Ouais, après on a la normale, mais on s'en fout de la normale du coup. Enfin on peut mettre les deux hein, du coup. Hein. C'est, ça marche hein. J'ai envie de dire, mais bon. Ok, on va aller là-bas. Réveille-toi. Le plasma est cool. Le plasma est vraiment cool. Minigun standard. Yes, let's go. Ah, let's go. Le minigun, ah oui. Ah, nickel. Nickel. Alors, du coup... Attends, DPS 645 minigun. Alors du coup, qu'est-ce qu'on met? Est-ce que ça prend les mêmes balles? Je crois pas que ça... Si, ça prend les mêmes balles. Donc on va devoir faire un choix. Ouais. Yes! Voilà. Bon, là, on a la première version. Donc, du coup, ça veut dire que. On va pas pouvoir mettre de mode dessus. Donc, j'ai envie de dire, à la limite, c'est peut-être mieux de prendre la petite mitraillette. Comme ça, il y a de la glace. Ouais. Allez, on va. Parce que j'avoue que la glace, quand même, c'est pas de la merde. Donc, autant. Prendre la petite mitraille avec la glace. Mais bon, le minigun, c'est vraiment le fun. Alors après, est-ce qu'on peut... Ouais, non, non, ça va être les mêmes munitions, je crois, si je dis pas. C'est bien les mêmes munitions, c'est le même icône. Oui, oui, oui. Oui, vous voyez, les deux descendent. Donc oui, oui, c'est bien le même. Donc ouais, non, on va faire plasma et ça.
The wind is picking up speed. Loose objects are starting to fly. Voilà, bien, bien, bien. On va aller défoncer là les bestioles qu'il y a là. These strong winds can make our life easier. Wind turbines are spinning like crazy. Nickel. Ce bombardement, moi ça me rappelle un jeu où j'aimais bien. Je pense que c'était possiblement le meilleur jeu dans le type de jeu où genre vous avez une base qui vous aide vraiment activement. C'était Metal Gear Solid 5, honnêtement. Parce que une fois que vous aviez développé votre base, genre elle pouvait vous envoyer tout et n'importe quoi. Genre des armes, de l'équipement et tout ça évidemment. Mais elle pouvait aussi faire des bombardements. Des bombardements, changer la météo. Il y avait tellement de trucs que vous pouviez faire en fait. C'était énorme. C'était énorme. Et j'adorais ça en fait. Et là, je trouve que le fait d'avoir un bombardement, c'est trop cool. Ça me rappelle un peu ça. Il est mort. Oh, putain. Voilà, je voulais m'amuser avec les tronçonneurs, je me suis pris un tir. On va avoir une vague dans pas longtemps, je pense. Ah, putain. Quasiment certain qu'on peut retirer les tronçonneuses. Avec toutes les munitions qu'on a maintenant. Ok, we've got all the necessary technologies downloaded. This building requires a supply of clean water to operate. It would be best to place it close to a pool of mud or sludge that we can filter. Là, on arrive près de la... Faire gaffe à cette merde. C'est bon, il est mort? Ouais, il est mort. Ok, parce qu'on est près de la de bord de map. On peut se faire avoir honnêtement au bord de map, genre on peut plus avancer, on peut plus bouger. Et du coup on se fait prendre en sandwich et tout ça, ça peut être dangereux. Trucs qui sont en train de se faire défoncer par les... Par ça. Nickel, saut surpuissant chaleur. Bon, tout le monde est mort. Après, j'avoue que ça en jetait hein, de foutre le feu partout. Hein, mais... Oh le bordel. Voilà. Parce que ça bougeait dans la forêt, donc je me suis dit, juste au cas où, pour être sûr, un petit coup de... Un petit coup de bombardement. Après on peut faire genre avec les mods on pourrait faire genre qu'est-ce qu'on peut
faire. Genre, genre des lances-grenades avec les grenades qui explosent, ça fait du feu, ça fait de la glace. voilà, vous avez compris le système. Hein. Ah, recherche extraterrestre niveau 1. Vous avez compris le système, hein. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc voilà, là, maintenant, on va pouvoir inventer des choses. Station de récolte. Ah oui! Oh, putain, j'avais complètement oublié ça. Vu que... Par contre, on peut, ça peut mettre des modes dessus. Vu qu'on peut... On détruit, en fait, la faune et la flore. Et on va avoir des choses, en fait, avec des drones, des bâtiments avec des drones, genre cultivateur, installation des plantes. Ça plante des plantes, tout simplement. Et vous pouvez choisir, en fait, quel type de plante. Et certaines plantes, en fait, donnent des ressources, genre de la ferraille, tout ça, là, enfin, le ferromium et tout ça. Et du coup, vous pouvez faire comme des super grands jardins énormes. C'est super cool, c'est vraiment, vraiment cool, ça. Et c'est super joli à regarder, parce que c'est des drones et ça fait planter des trucs au sol, quoi. C'est vraiment, vraiment sympa. J'aime beaucoup, c'est vraiment stylé. C'est vraiment, vraiment stylé. Il y a plein de trucs cool dans le jeu. Putain, c'est quoi ça? Un truc que je me permets de construire un compresseur liquide. Cette station doit être fruit avec la capacité de mener le cheminement liquide vers n'importe quelle destination réseau dimensionnel. Ça, je connais pas ça. Attends, permet de comprimer les ressources liquides à un niveau subatomique pour pouvoir les acheminer sur les longues distances grâce à une technologie dimensionnelle. Ah, je crois que c'est pour la... En gros, c'est la téléporter. Genre, c'est téléporter le liquide. Parce que, avant, vous voyez, là, c'est des pipelines, des tuyaux, quoi. Et en fait, ça faisait des tuyaux. Et vous pouvez pas passer les tuyaux, vous pouvez pas passer... genre, sauter par-dessus les tuyaux. Et du coup, il fallait toujours les protéger, genre avec des murs tout le long, en fait. Et des fois, c'est que c'était un peu casse-couille, parce que si ça passait en milieu de votre base, bah du coup, il fallait genre avoir des téléporteurs, ou alors genre avoir, je sais pas, le saut surpuissant, par exemple, des trucs comme ça. Donc ça, c'était extrêmement chiant à gérer. Bon, après, c'était pas ingérable, mais c'était chiant à gérer. Et là, apparemment, ouais, ça ferait téléporter l'eau, si je comprends bien. Terminal de réception. Donc ça, c'est pour faire partir l'eau, et ça, c'est pour le réceptionner. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air, c'est intéressant. Voilà, vous voyez, ils ont pensé à tout. Ah tiens, on peut faire la toile de bioscanner maintenant, ça c'est très bien. Ils ont pensé à ça, parce que c'est vrai que... Bon, moi je joue avec, mais c'est vrai que si on a quelque chose d'autre, c'est bien. Alors avec le... J'ai peut-être envie de mettre le... De mettre un lance-flamme, de faire un lance-flamme bleu, pour pouvoir lui mettre un mode. On va faire un deuxième, juste au cas où, si on a des meilleures stats. Par contre, du cobalt à 3900, ça aussi, ça se fait, ça va. Alors là, on a un saut surpuissant avancé, chaleur, dégâts de feu 150. Mais ça, c'est pour l'attaque, honnêtement. Compétence au moment... Alors, je vais vous le montrer. Enfin, c'est 250 de cobalt, ça me fait chier. Alors, on va voir. Ça peut peut-être être utile. Ah tiens, on a le sprint aussi de chaleur. Ah, on a débloqué tous les trucs de chaleur, en fait. Crafting completed. Voir un peu. Alors comme j'ai dit, on va repasser au lance-flamme, donc c'est quoi la différence? Dégâts de feu temps 7.6, coût de munitions c'est plus cher. Ça c'est mieux. Et on peut... On n'a pas de mode pour celui-là. Ok, ça marche. Bah c'est pas grave. Alors, le saut surpuissant, c'est ça. Ah, c'est nouveau, hein. C'est pas comme ça. Avant, c'est... Avant, on avait qu'un saut, en fait. Là, c'est un saut surpuissant, c'est différent. Ouais, je vois un peu la portée. La portée est pas énorme, mais est-ce que ça va pas me tuer, en fait? Je me suis pris des dégâts. Vous avez vu que pendant le saut, j'étais en l'air, je me suis pris des dégâts. Non, ça c'est le piège à con, ça. On va rester au sprint. C'est le piège à con. Par contre, le sprint, là, maintenant, ça fait du feu. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, non, le saut est trop dangereux pour moi. Pour cette difficulté, c'est trop dangereux. On n'est pas assez puissant pour le moment. Quand on aura plus de protection et tout ça, je dirais pourquoi pas, mais là, non.
Voilà, on est presque... On est à une heure, je crois. On va continuer un peu de... Faut que je m'arrête pour qu'il soigne ou pas? Ouais. Non, c'est bon. Ouais, non, faut que je m'arrête, en fait. Je sais pas si c'est vraiment utile, du coup, parce qu'il faut pas que je sois en mouvement, apparemment. Que ça fait. On dirait un monstre quoi qui rugit. Ouais, je suis pas trop. Je sais pas trop quoi penser du drone qui se balade. Oh merde. Quel est les dégâts. We should build stronger defenses around our base. Okay. Alors, on a... Ouais, là ça va être chaud. On fait voir. Genre, on est tout augmenté. On fera des, on fera le truc un peu plus joli. Après, ce que je pourrais faire, c'est le faire hors jeu, genre le temps de faire la base et tout ça, genre un peu mieux peut-être. Mais honnêtement, c'est peut-être pas drôle. Ah, j'ai pas de téléporteur. Là. Genre ça, on peut aussi l'augmenter, monsieur. Histoire de. D'avoir un endroit. Par contre, comment je rentre là? Ah, voilà, voilà. Il nous faut un téléporteur ici. Juste au cas où. Pas mis ça, voilà. Parce qu'avant je mettais genre par exemple ouais un truc de réparation plus une un capteur plus machin. Je faisais des choses jolies quoi, mais bon. Comme j'ai dit, la map est tellement grande, il y a tellement de choses à faire. Non, bon, vous passez 3 ans à faire ça quoi. Donc ouais, là on est pas mal. Là on devrait pas trop avoir de problème. On va peut-être changer, remettre le plasma. Parce que on va tirer de loin, on va remettre le pistolet à plasma. Voilà. On est prêt. Danger! An aggressive horde has entered the area. It is less than a minute away. Fais voir. Non. Là, là. Pour l'instant, c'est pas encore. On est à court de missiles.
Ouais, on a mis trop de lance-missiles en fait. Il y a des trucs qui tirent, on va aller se les faire. On va passer aux grenades. Ça va tout réparer petit à petit. Ouais, on est à court de missiles. C'est quoi ça? C'est le laboratoire. On n'a qu'à le mettre là. Ah mais le laboratoire il faut de l'eau. On verra ça après. C'est de l'uranium. Ah, niveau 2 c'est de l'uranium. Donc ça on peut passer en niveau 2, ça aussi, ça toujours pas. Donc là on a un entrepôt à munitions, on peut en mettre plus. Voilà, et le problème c'est j'ai mis où les autres entrepôts à munitions? C'est ça. Entrepôt à munitions. Alors attends, ça c'est quoi? Ça c'est usine à munitions. Ce qu'on va faire, on va mettre tout au même... Enfin quoi que non, en fait, je me fais chier pour rien. Je vais faire ça. Voilà, on augmente. Parce qu'on pourrait faire, encore une fois, je pourrais faire bien les choses, genre mettre tous les entrepôts à munitions au même endroit, toutes tous les entrepôts à munitions au même endroit, c'est ce que je dis. Mais bon, faudrait les détruire, les refaire, hein, Joseph quoi. Au bout d'un moment, on fait les trucs, puis basta. Voilà, tant qu'ils sont au niveau. Puis après, de toute façon, on repassera dans la base. On refera bien, aucune recherche sélectionnée. Donc voilà, maintenant on est à 1699 pour le petit calibre et 560 pour petite mine, laser orbital, ok, tourelle. Ouais, on va s'arrêter là, on a plein de trucs à faire. Crafting completed. Ok, nickel. Donc, ouais, le 5 et 6 ça va être des trucs orbitaux en fait. Ouais, 5 et 6 ça va être de l'orbital. Genre... un bombardement, et là c'est... Ouais, les deux c'est 60 secondes, et là ça sera une sorte de laser apparemment qui gèle. Donc c'est très bien, la petite mine a été augmentée, c'est très bien. Il y a ça, c'est pas mal, hein, la sentinelle foudroyante, mais est-ce qu'il n'y a pas mieux? On a la tourelle bioscan, un dispositif de scan portable permet de vrai breaker requiert rapide modification. 50 mètres. Je vais voir un peu comment ça marche. Genre... There's a tornado on the horizon. Genre, qu'est-ce que tu veux? It's heading straight for us. Non. Ah. Ah ouais, c'est ça en fait. Parce que ça, on va le débloquer. Ah oui, ben je l'ai débloqué. Oui, je l'ai débloqué, j'avais oublié. Parce que c'est en fait, vous allez pouvoir analyser les choses comme ça. Et en fait, il faut le faire vous-même. Et des fois, c'est très chiant parce qu'il y a des fois, il y a des monstres en fait à analyser. Et pendant que vous combattez, vous voyez que quand... Oh. Voilà. Quand c'est des monstres en fait, c'est super chiant. Donc du coup, ils ont créé cette petite tourelle là qui fait automatiquement. C'est vachement sympa. Ah non, c'est vachement sympa. Ça donne des brins d'ADN à chaque fois. Ah, et ça c'est super important parce que, regardez, ce qui est vachement bien aussi, ça aussi je ne l'ai pas montré, il y a plein de trucs, il y a énormément de trucs super bien dans le jeu et super bien pensé. Les bases de données, pour l'instant on n'a pas la base de données, je crois qu'il nous faut un bâtiment, mais plus tard on va avoir genre par exemple monstre machin mes deux. Et si vous l'analysez plusieurs fois et que vous avez les brins d'ADN en fait du monstre machin mes deux, vous allez commencer à avoir genre plus 10% de dégâts dessus, plus 20% de dégâts dessus. Donc même ça c'est vachement bien en fait d'analyser les choses.
Donc ouais, honnêtement, il y a trop plein de trucs dans le jeu qui est vraiment cool. Et là, ils ont vraiment rajouté de la facilité aux joueurs, en fait. Donc cette tourelle le fait automatiquement, donc je pourrais en balancer une un peu partout à chaque fois. Donc voilà, j'ai plus besoin de le faire moi-même. J'ai qu'à juste mettre une tourelle et hop. Parce que c'est super chiant à faire soi-même. Ouais, c'est super relou à faire soi-même. Donc autant faire une tourelle et on va la garder en... Alors on va la regarder en premier, comme ça, ça me permettra de la balancer souvent. Comme... Parce que sinon je vais pas y penser. Donc voilà. Donc adieu la tourelle électrique. Bon, elle était pas extrêmement utile. Bon, maintenant on a des mines à la place. Quoique on pourrait mettre une tourelle. Enfin la sentinelle foudroyante. Ouais, on pourrait le faire. Donc, du coup, on mettrait quoi? Sentinelle foudroyante et la mine antigravitationnelle. Ouais, à la limite. 5 et 5. Ça, je crois que c'est une par une. Faut qu'elle recharge. Oh. Ouais, faut qu'elle recharge. Donc ouais, ça c'est bon, ça on a 10 grenades maintenant, on a 5, 10 soins, un truc orbital 60 secondes. Ouais, on va s'arrêter là. La prochaine fois on va refaire la map en fait, on va la... la base, on va l'agrandir. Et là on a tous les différents monstres et tout ça. Dégâts encaissés, tout plein de données aussi. C'est vraiment cool, il y a vraiment tout ce qu'on veut dans le jeu, honnêtement. C'est ça que je suis super étonné en fait par cette équipe, ils méritent vraiment leur argent et tout ça. Ils méritent vraiment tout ce qu'ils font, quoi. Et on est toujours dans le premier biome. On est toujours dans le premier biome. Alors, je vais juste choisir ce que je fais en premier. Donc ça, il nous faudrait... Donc l'armurerie niveau 3, il nous faut d'abord le quartier général augmenté. Ça, on n'a pas vraiment besoin, ça je m'en fous un peu. Donc les armes blanches, comme j'ai dit, bon, c'est sympa sur papier, mais après, c'est pas vraiment mon truc. J'ai envie de dire que... Bon, les tronçonneuses, on les laisse pour le moment, mais ça m'étonnerait qu'on tombe à court de munitions. Honnêtement. Je vais les retirer. De toute façon, on a des nouveaux niveau 2, là, des caisses de munitions niveau 2, donc on a énormément de munitions. Donc je crois que c'est fini, là. On n'a plus besoin d'avoir trois armes. Après, si on a des armes, les nouvelles armes de DLC, là, je vais les tester. Mais on verra ça. Après, stabilisateur, on s'en fout un peu, comme j'ai dit pour le moment. On a les tourelles centrales. Là, on peut plus faire de défense. Ouais, non, il nous faudra ça. Donc, là, en fait, on va juste faire les... Attendez. On peut faire d'abord les tourelles en fait. Tour de sentinelle, amélioration de version pressant la tour. Ah oui, non, ça c'est la tour normale en fait, ok. On va peut-être faire des tourelles. Ouais, on va mettre toutes les tourelles à jour. Hop. Voilà. On va d'abord faire tout ça. Vous savez, ça fait beaucoup, hein, mais c'est 37 minutes après, à peine. On va faire tout ça. Et après, ça aussi je le veux. Ça aussi. Ah, très bien. Ah, ça c'est parce qu'on n'a pas les... On n'a pas ce qu'il faut, je crois. On verra ça après. Et après, on ira sur un autre biome. Mais bon, pour le moment, on va continuer la prochaine fois. Là, ça a été détruit par par la putain de tour de... Comment ça s'appelle? Tornade, là. On va faire comme ça. Non, 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 non. Pas le quartier général. Ah, mais putain, je suis en train de monter de niveau. Je suis pas en train de réparer. Bon, c'est pas grave. Grave, je voulais réparer en fait. Mais je crois que quand ça monte de niveau, ça répare. Donc, du coup, on n'a plus grand chose à réparer.
Voilà, nickel. Voilà, la prochaine fois, on pourra même augmenter le quartier général au niveau 3. Ça nous permettra de débloquer encore plus de nouvelles choses. Ok, fais voir le 6. Enfin, ça. Waouh! Ah ouais, le rayon de Dieu, quoi. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Encore plus de destruction. Ouais, la prochaine fois... C'est quand que je peux pas mettre la carte et pause en même temps. La prochaine fois, on va faire ça. Et je crois qu'on va commencer à boucler, en fait, la zone. Et je vais en faire un carré. Je vais en faire une base géante, en fait. Et honnêtement, si on fait ça dès le début, ça sera beaucoup plus simple pour après. On va pouvoir se débrouiller beaucoup plus. Donc on va peut-être... passer encore 2 épisodes, voire 3 épisodes dans le premier biome, puis après on va avancer. Ah, et honnêtement, quand on avancera, on pourra avancer vite, et on aura plein de ressources, plein de choses à faire. Ah, donc ça va être un peu plus cool. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je veux le jouer, parce que sinon, voilà, j'ai pas envie de m'exposer au danger. Encore une fois, notre robot est très fragile. Hein. Il est solide par rapport à ses améliorations. Et les améliorations, il faut augmenter le QG. Pour qu'on débloque, moi je voudrais genre le soin violet, ça serait bien comme pour explorer le soin violet, les grenades augmentées encore plus. Putain, un canon sentinelle serait pas mal. Saut surpuissant, on s'en fout, ça on s'en fout. La tourelle bioscanner améliorée, ça pourrait être pas mal. Moi après c'est ça que je voudrais, genre par exemple les plaques de blindage en bleu déjà, ça serait vraiment vraiment cool. Et là, on pourrait commencer à faire des trucs sympas et il serait résistant quand même, notre petit robot. Parce que bon, il a toujours que 240 HP. Hein. Donc ouais, voilà, ce sera tout pour cet épisode. Sauvegarder et merci beaucoup. Et on verra ça la prochaine fois. Ciao, ciao.